David, on est de retour ici en Catalogne. L'an passé, c'était un peu la course qui vous avait révélé. Déjà, qu'est-ce que ça fait de revenir ? Bah, c'est vraiment plaisant de revenir ici, surtout que voilà, on a une belle équipe, on est avec Thibaut, donc voilà, c'est une belle course. Dommage que l'arrivée au sommet est annulée aujourd'hui, mais on va faire avec. Vous êtes en état avec Thibaut, mais j'ai cru lire que Thibaut était prêt à se mettre à votre service. Ouais, voilà, c'est sûr, il revient et il veut pas forcément être en pic de forme ici, ça se comprend, il a le Giro et le Tour à doubler cette année, donc voilà, après, on va voir aujourd'hui déjà comment ça va se passer. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise journée sur une semaine, et on verra bien, on fera les comptes à l'arrivée. Qu'est-ce que ça change, le changement de parcours ? Changement de parcours, ça va changer, je pense que ça va courir différemment, ça sera peut-être encore plus ouvert, plus nerveux, ça va être une étape courte et je pense qu'il peut y avoir du spectacle dans le final. Et du coup, pour vous, comment on réorganise la stratégie ? Bah, ça va s'articuler toujours autour de moi et Thibaut avec Seb et peut-être George, voire Arthur si vraiment il arrive à passer dans le final, et puis on verra bien en fonction de quelle carte il nous reste dans le final laquelle on va jouer. Et pour le général, comment c'est ? Parce que, du coup, il y a moins d'options pour faire des écarts. Ouais, c'est sûr, il y a moins d'options, il reste encore de belles étapes, on verra bien, je pense déjà ce soir il y aura peut-être quelques écarts et on verra bien comment ça va se passer. Demain là, Molina, vous pensez que c'est une ascension qui peut vous convenir? Ça va vite, on sait que vous pouvez être bon dans ce genre de cas. Il y a aussi une question de placement. Ouais, voilà, c'est une ascension quand même assez roulante. Voilà, c'est pas forcément mon type d'ascension. Après, voilà, je sais que la dernière rampe est assez dure, plus pour puncher. Donc voilà, peut-être que demain ce sera mieux pour moi, mais d'abord il y a l'étape d'aujourd'hui à faire et on verra bien.